rock'n'roll. Whiskey, naughty. Whiskey made me pawn my toes. Whiskey for my Johnny-o. Whiskey drove me around Cape Horn. Whiskey, Johnny. It was many a month when I was gone. Whiskey for my Johnny-o. I thought I heard the old man say, whiskey, Johnny. I'll treat my crew in a decent way. Whiskey for my Johnny-o. A glass of grog for every man. Whiskey, Johnny. And a bottle for the shanty man. Whiskey for my Johnny-o. Thank you.
Nos ennemis quadrillent ce secteur, capitaine. Attention.
Mentor nous a donné consigne de nous préparer à tout. Les Templiers savent sans doute où nous sommes. C'était un nommé Walpole, n'est-ce pas? Un Anglais? Oui. Il s'est joué de nous depuis le début. Il... J'ai vu un navire passer par là, près du rivage. Puis il a disparu. Atabaï nous a demandé de rester vigilants. Cela fait près d'un an que l'étau des Templiers. En effet. Mais les Templiers ne sont jamais discrets. Et pour le moment, je n'ai rien entendu. Sois patient. Thank you.
Kuntulakutuus, kubukintikuno, kuntolwinigsuk, ukonihel mashake, ukahumasuktai, yangwaltiletie.
Dieu, Kid. C'est quand tu joues but. Je le sens. Capitaine Kenway. Où est l'assassin, Duncan Walpole? Mort et enterré. Après avoir essayé de me tuer. Peu nous importe qu'il ait rendu l'âme. Mais c'est en son nom que tu as mené son ultime trahison. Pourquoi? M'enrichir, comme toujours. Ces paroles sont censées me consoler? Tu as causé la mort de nos frères et sœurs de la Havane. Il possède le sens, Mentor. James me dit que tu as traité avec les Templiers de Cuba. As-tu vu celui qu'on appelle le Sage? Aye. Si tu revoyais son visage, saurais-tu le reconnaître? Ouais, je crois. J'aimerais en être certain. Non, ne dis rien. Suis-moi. M'entraîner dans cette sale histoire sans rien me dire, Kid. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas? Atabai. Un assassin. Mon mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre. Nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission, seulement à la sagesse. Raconte-moi tout, je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai. Tout est permis. La seule certitude qu'offre ce monde. Tout est permis. Ça me plaît, je l'avoue. Libre de penser comme je le veux, de faire ce qui me plaît. Tu peux répéter ces mots, mais tu ne les comprends pas. Épargne-moi tes grands airs, Kid. Ah ! Le chemin est bloqué. Ça doit être une porte. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir. Une sorte de mécanisme caché. Comme un cabestan. Des blocs là-haut. Essaie de les bouger. C'est vous que les Templiers traquent depuis tout ce temps, hein? C'est nous qui les traquions jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Ils étaient aux abois, Edward. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont l'avantage. Le mécanisme de la porte doit être endommagé. On va trouver un autre chemin. Suis-moi, Kenway. Saute ! De l'air dans les poumons? Assez pour te maudire, Kid. Trésor doit en valoir le coup. Un trésor. Ouais. J'espère que ce qui nous attend au bout de ce chemin en vaudra la peine. Ça dépendra de toi. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu t'apprêtes à découvrir risque de te faire tourner la tête.
J'espère que tu résisteras au choc. Je compte pas te décevoir. Trésor que ton mentor voulait que je voie. En tout cas, ça ne ressemble pas à celui qu'ils appelaient le sage. Prends ton mal en patience. Il nous reste encore une énigme à résoudre. Ces statues ressemblent à celles qu'on a déjà vues. Mais des dessins y sont gravés. Il y a aussi des dessins gravés sur le sol, mais ils sont différents. Il doit exister une correspondance. Mais laquelle ? Des statues et se graver au sol sont différents. Tu vois, Edward ? Ouais, d'un côté les prédateurs, de l'autre les proies. Reste à savoir quelle proie il faut associer à quel prédateur. C'est ça, voilà le lien. Il doit associer chaque prédateur à sa proie. Position. De contrepoids. Thank you.
Peut-être que ces pierres servent de contrepoids. Au sommet de ces pierres. J'ai une idée. Peut-être que ces pierres servent de contrepoids. C'est vrai, c'est lui, le sage. Mais cette chose doit avoir des centaines d'années. Plus encore. T'es sûr que c'est bien lui ? Ouais. Ses yeux sont inimitables. Et les Templiers t'ont dit pourquoi ils voulaient ce sage ? Ils ont mis quelques gouttes de son sang dans un cube en verre. Comme celui-ci ? Ouais. Ils voulaient aussi l'interroger sur l'observatoire, mais il s'est échappé. On peut partir. Mais qu'est-ce que tu m'as montré là-bas ? Jim ! Silence ! La statue du temple. Était-ce l'homme que tu as vu à la Havane ? Son portrait craché, oui. Il semble qu'un autre sage ait été trouvé, et que la course vers l'observatoire recommence. C'est pour ça qu'on chuchote ? Tout est ta faute, Capitaine Kenway. Les cartes que tu as vendues aux Templiers les ont conduits droit sur nous. Les agents de deux empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases. Laissez-moi faire, Mentor. Ils ont l'équipage d'Edward à leur merci. J'ignore quelle valeur il attache à leur vie. Tiens, prends ça. Tu n'attireras pas l'attention et tu feras moins de victimes. Les fléchettes sur celui qui vient. Fais vite! Efficace et silencieux, non? J'en suis sûr. Après tout, c'est là-dedans que les Espagnols les trouvent. Ah bon, il est sorti du sol ? Ah
on him. Dead to rights. Bastards in my sights. I can get him from here. Oh, don't lose him now. I've got a shot. We're losing him. Bastards in my sight! You come back here, you mad maggot! I can get him from here! It's in my sight! You die! You can't escape us! Merci, capitaine. Sois damné s'il me reprenne. Yeah.
Temple. Il est gigantesque. Ouais, je me demande s'il est rempli d'or, de jade et de pierreries. Oh, silence. Touch package, et il y a le bouli comme Mac avec Kachli. J'en suis sûr, après tout, c'est là-dedans que les Espagnols les trouvent. Ah bon, ils les sortent pas du sol? He's not running. Quicken the pace! We're not losing that bastard! Tu as ma gratitude, mais pas mon pardon. Du calme. Tu peux rien contre nous, mon gars. Que je sois damné s'ils me reprennent. Thank you.
Bon sang, j'en peux plus. Attendez, vous prendriez vos jambes à votre cou. Merci. Personne t'a fait signer, on t'a conscrit, abruti. Du calme. Tu peux rien contre nous, mon gars. Observes-tu? Tu vois cette misérable crapule? C'est Lawrence Prince, un négrier batave. Il vit comme un roi à la Jamaïque. Il y a des années qu'on traque cette charogne. Par l'enfer, on le tenait presque! Vous les assassins, vous êtes une bande de joyeux drilles. Vos têtes font vraiment peine à voir. Capitaine Kenway, tu disposes de nombreux talents. Ah, le talent, c'est inné. Mais tu es grossier et arrogant. Et tu parades dans un uniforme que tu n'as pas mérité. Enfin, tout est permis. C'est bien votre devise, non? Je t'absous de tes erreurs à la Havane et partout ailleurs. Mais tu n'es pas le bienvenu ici. Navré, mon ami. C'est pas ce que j'ai voulu. Ils savent s'amuser, tes amis. Tu mérites leur mépris, Edward. Tu te pavanes habillé comme l'un des nôtres. Tu fais honte à notre cause. Et c'est quoi, votre cause? Notre cause est de tuer des gens. Les Templiers et leurs alliés.
ceux qui veulent contrôler tous les empires de ce monde, soi-disant au nom de la paix et de l'ordre. Ça me rappelle les derniers mots de Dukas. Tu vois, tout est question de pouvoir, mon ami. Ils veulent dominer les gens, confisquer nos libertés. C'est un autre message d'un de tes amis ? Ouais. Je vais te montrer. Je sais que notre credo pourra pas te convaincre. Mais peut-être seras-tu plus sensible à l'argent ? Toujours. Alors exécute ces contrats en notre nom. Et nous te paierons. Une association profitable ?